Salut à tous et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la bi le... Ça commence mal. Pour la vidéo bilan de la troisième semaine du Top Body Challenge. Donc cette semaine, ça n'a pas été la joie la joie. Parce que j'ai mangé n'importe quoi. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, les résultats de la pesée et des mensurations s'en est en... Enfin... sont équivalents quoi à ce que je pensais. Donc du coup, j'ai bien rempli toute ma semaine alimentaire. Donc en fait, j'ai mangé donc McDo le lundi soir, pizza le mardi soir. J'ai pas mangé le mercredi soir parce que j'étais un peu malade. Nuggets frites le jeudi soir, nuggets frites le vendredi soir, crêperie le samedi soir. Et j'ai mangé chez mes parents hier midi. Donc toute la semaine, j'ai fait au moins un repas bien trop copieux, pas du tout diète, pas du tout équilibré, enfin voilà. N'importe quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Enfin, j'étais pas très motivée cette semaine. Enfin, c'est pas que j'étais pas motivée, mais c'est que... Je sais pas, déjà les exercices du lundi m'ont un peu frustrée parce qu'ils sont vraiment très durs. En fait, au bout de 3 semaines, enfin, je trouve qu'ils sont bien trop durs pour juste la troisième semaine. Je me dis si déjà là, la troisième semaine, c'est aussi dur que ça, mais enfin moi, je vais pas réussir à suivre quoi. C'est hyper dur. Et du coup, ce du lundi, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal et ça m'a vraiment démotivée. Et du coup, je pense que c'est pour ça que toute la semaine, j'ai pas eu trop le moral par rapport à tout ça. Ma séance du mercredi, je l'ai reportée au jeudi, mais elle s'est très bien passée parce que bon, voilà, c'est la séance fessier-bras que j'adore et que je fais toujours très rapidement avec même presque du plaisir, quoi. Donc voilà, parce que j'étais un peu malade mercredi, donc je l'ai reporté au jeudi. Et celle du vendredi, je l'ai reportée au samedi, parce que vendredi soir, j'ai pas eu le temps de la faire, et après j'étais vraiment trop fatiguée. Donc je l'ai faite le samedi matin, et pareil, elle s'est assez bien passée. J'ai même rajouté quelques exercices de fessiers. Mais bon, elle était assez dure, mais faisable, franchement. Je pense que voilà, je commençais à avoir le niveau pour faire cette séance-là, mais pas du tout celle du lundi, quoi. Et du coup, c'est vrai que voilà. Celle du lundi a complètement blasé toute ma semaine parce qu'elle était vraiment dure et que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir le niveau et de jamais réussir à faire la suite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un peu n'importe quoi. Que vous dire? Je sais pas trop quoi vous dire en fait parce que voilà, c'est aussi de ma faute parce que enfin. J'aurais pu ne pas manger ce que j'ai mangé, mais c'était le lot de consolation en fait, qui au final ne m'a pas consolée parce que de manger le McDo le lundi, en fait, j'ai pris un Big Tasty au bacon ou je sais pas quoi. Et avant, en fait, ça me donnait vraiment très envie et enfin, j'adore hein, manger des trucs comme ça. Et là, après l'avoir fini, et ben, j'avais aucun. Enfin, voilà quoi. Je l'ai mangé, mais sans envie vraiment. Sans. Après l'avoir fini, je me suis dit, ouais, bah. Franchement, enfin, je sais pas pourquoi j'ai mangé ça parce que. C'est pas une explosion dans mes papilles. Enfin, voilà. Ça m'a rien apporté, rien procuré. Donc, je me suis dit, voilà. Les burgers au McDo, bah, même si ça te fait envie, ça sert à rien que t'en manges parce que ça t'apporte rien en fait. Donc voilà. Et donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bah, ce qui m'a aidé à faire mes exercices en fait, parce que je vous dis, après lundi, là, j'étais vraiment pas plus motivée du tout.
Et ce qui m'a vraiment aidée à quand même faire mes exercices du reste de la semaine, c'est que mon chéri m'a dit des choses, enfin voilà, qui m'ont un peu remotivée pour le sport. Mais voilà, ça n'a pas suffi à faire que je sois sérieuse, on va dire, et à fond dans mon truc. Et donc voilà. Pour en venir à la pesée de ce matin, parce que ce matin c'était la pesée tant attendue des 3 semaines. Donc j'ai pris mes mensurations. Je partais avec un tour de poitrine de 92. Là je fais toujours 92, donc ça c'est hyper bien, ça n'a pas bougé parce que moi quand je fais du sport j'ai toujours peur de perdre de la poitrine. Donc là ça n'a pas bougé, donc je suis très très contente. Après, au niveau du ventre, j'étais à 88 il y a 3 semaines et là je suis à 86. Donc 2 cm en 3 semaines. Et au niveau de la culotte de cheval, j'étais à 97,5 et là je suis à 97. Donc 0,5 cm de moins. Et au niveau du poids, j'étais partie de 60,5 et je suis encore à 60,5. Donc voilà. Je suis complètement dépitée. De toute façon, ça, vous devez le voir, hein, je suis pas aussi joyeuse que d'habitude dans mes autres vidéos. Parce que là, clairement, je suis. Voilà, je suis. Je suis pas très contente de moi, je suis pas très contente qu'il n'y ait pas de résultat alors que j'ai fait mes séances correctement. En fait, je pense que ce qui me frustre le plus là-dedans, c'est d'avoir attendu 3 semaines de me peser, de reprendre mes motivations, mes mensurations, pour voir qu'en fait, eh ben, il n'y a pas de changement réel, concret. Parce que moi, enfin, j'avais l'impression d'avoir perdu, je vous l'avais dit, j'avais l'impression d'avoir moins de poignées d'amour, même mon chéri, il a trouvé que j'en avais moins, d'avoir moins de culottes de cheval, d'avoir le ventre plus plat. Et au final, je me dis que c'était que dans ma tête. Et du coup, voilà, ça me fatigue, quoi, parce que je me dis, voilà, je me suis donné du mal pour faire mes séances de sport. Alors que franchement, c'est vraiment, je prends sur moi pour faire du sport parce que je déteste ça. Et là, avoir attendu 3 semaines pour avoir ces résultats-là, je me dis que j'aurais mieux fait de me peser une semaine après et de voir que s'il n'y avait pas de résultats, je me serais donné encore plus à fond en fait pour avoir des meilleurs résultats. Que là, j'ai attendu 3 semaines pour avoir ça et me dire enfin maintenant que, il faut que je me donne encore plus à fond, quoi. Donc voilà. Voilà. Un peu triste et je pense que maintenant je vais me peser et reprendre mes mensurations toutes les semaines parce qu'au moins ça me motivera à me donner encore plus là-dedans, parce que attendre encore 3 semaines si c'est pour avoir des résultats aussi minimes que ça, je vais vraiment, enfin ça va vraiment me démotiver et c'est un coup à ce que j'arrête. Et voilà, il faut pas quoi, faut au moins que j'arrive au bout des 12 semaines de ce programme-là quoi. Et voilà. Donc c'est pas la joie, hein. Mais il y a des hauts et des bas, hein. De toute façon, ça vient pas du jour au lendemain. J'ai fait une semaine de merde, hein. De toute façon, niveau alimentation, il n'y a pas d'autre mot, hein. J'ai fait n'importe quoi. Donc du coup, bah, il faut que cette semaine, voilà, je reprenne comme les 2 premières semaines. Et je verrai bien la semaine qui suit, le lundi prochain, comment ça va se passer. Pas de McDo, pas de kebab. A priori, pas de resto. Cette semaine, est-ce que je vais avoir un resto? Non, je pense pas. Donc ça sera bien aussi. Et bon, par contre, voilà, il y aura la pizza du mardi parce que ça, c'est un peu le rituel, on va dire, à la maison. Et voilà, ça me fait plus plaisir en fait de manger de la pizza, sachant qu'en plus je peux en manger 2 fois. Au lieu de me gaver une fois, je me mange en 2 fois, comme ça je profite encore plus. J'ai l'impression de manger 2 fois quelque chose qui me fait vraiment envie, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'avant je mangeais en une seule fois.
Et donc voilà, enfin, c'est comme si je me faisais plaisir deux fois dans la semaine, donc c'est très bien. Et voilà. En espérant que ça se passe mieux. J'espère que ça vous aura pas trop démotivé cette vidéo parce que je suis pas là pour vous démotiver non plus, mais c'est vrai que je vais pas vous dire que tout s'est bien passé et vous inventer des chiffres, voilà, parce que enfin, je suis pas là pour ça non plus. Donc voilà, faut pas que vous vous disiez que si moi j'ai ces résultats-là, bah vous ça va être pareil, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, hein. On est toutes différentes. On a tout un métabolisme différent, parce que moi j'ai toujours eu du mal à perdre du poids et je grossis très facilement, donc du coup voilà, enfin, on n'est pas toutes constituées pareil, donc vous pouvez très bien avoir des super résultats en une semaine comme vous pouvez avoir des résultats qu'au bout de 6 semaines et voilà, on va tout à notre rythme et puis il n'y a pas de raison que ça marche pour certaines et pas pour d'autres, hein. C'est juste qu'il y en a qui doivent se donner plus de mal que d'autres, voilà. C'est comme ça, la vie est mal faite, hein, des fois, mais on n'a pas le choix. Et du coup, bah voilà, j'espère qu'en tout cas cette semaine bah, sera très bonne pour vous, sera très bonne pour moi aussi. Si vous avez eu des résultats et tout, bah, ça m'intéresse, mettez-le moi en commentaire parce que ça peut aussi me remotiver. Et si vous avez des conseils de par exemple je sais pas d'aliments plaisir mais qui sont pas très gras ou des choses comme ça en fait des petites astuces pour perdre du poids tout en se faisant plaisir et ben ça m'intéresse vraiment beaucoup donc laissez-moi ça en commentaire ou même sur Instagram parce que je vais vous poster tout à l'heure ma photo de plus 3 semaines donc voilà laissez-moi tout ça dans des commentaires parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite à toutes celles qui viennent de commencer, comme à toutes celles qui sont en plein dedans, d'avoir une bonne semaine et du courage, de la motivation. Et on se retrouvera du coup lundi prochain avec, j'espère, des chiffres un petit peu meilleurs que ceux que je vous ai donnés là et un peu plus de sourire et de motivation qu'aujourd'hui. Donc voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite bon courage et à bientôt.